Salut tout le monde, c'est Ben, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Killzone Shadowfall. Je tourne cette vidéo juste à la suite de la partie précédente donc que j'ai uploadé je pense quelques jours avant celle-ci. Forcément, je pense pas que je vais mettre ça le même jour. Voilà, écoutez, ce sera une vidéo donc basée sur les capacités qui me manquent pour avoir le trophée de platine. Donc là on va se concentrer sur le drone de soutien. Voilà, il m'en manque environ une petite cinquantaine pour l'avoir au niveau maximum. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ok, la partie a déjà commencé, depuis 10 minutes il y a déjà eu un kill. J'ai pas très bien compris comment c'est possible, mais c'est possible. Alors du coup je suis encore en contre notre ami XTM King Empire, donc le mec qui m'a recruté dans la team XTM, enfin dans la team, dans le clan, parce que c'est pas du tout une team en fait, c'est un concept assez différent. Voilà, donc écoutez, c'est rigolo de l'affronter. Alors bon, pour l'instant je vois personne, donc là j'ai une classe de bourrin. J'ai l'arme, je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'appelle Boum 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 cette classe. C'est vraiment une arme 100% puissance, 0% précision. Voilà, un petit kill avec le drone de soutien. Donc regardez le drone de soutien pour ceux qui n'ont pas le jeu, regardez ce que c'est. Ah bah d'accord, voilà, il est là, regardez, c'est cette grosse chose. En gros une tourelle aérienne, c'est vraiment ce concept. Alors, je sais pas pourquoi j'ai déjà casé deux fois le mot concept dans cette vidéo. C'est assez rare, alors toi, prends tes balles mon gars. Bon, je vais le buter au corps à corps. Oula, d'accord. Il y a du lag. Bon, souvent on affronte des joueurs en ce moment qui viennent de Russie ou des autres pays de l'Est. Donc je pense que il y a des petits problèmes de liaison de serveurs avec des pays aussi lointains. Toi, oh d'accord, j'ai voulu faire une petite glissade pour le buter. Ah bah tiens, c'est le chef de clan d'ailleurs qui m'a buté. Bien joué à toi. Alors, c'est parti, on y va. Bon, j'ai déjà fait un petit kill avec le drone de soutien, donc ça c'est plutôt bien. Aussi un petit kill avec mon arme, donc voilà. On commence tout doucement, il n'y a plus qu'un petit kill à la grenade, et puis voilà. Alors, lui, le pistolet, là, je pense pas que je vais faire beaucoup de kills avec, hein. Il est quand même plutôt faible. Alors, je crois que c'est une mauvaise idée d'y aller, il me semble qu'il y a quelqu'un au-dessus. Oh putain, il m'a pas eu. Alors, vas-y. Voilà. Ah bah tiens, vengeance sur King of Empire, ou King Empire, je sais même plus, toi. Merde, j'en ai vu un, donc il faut vite que j'y descende. Alors là-bas, il y en a un aussi. Allez. Oh oui, ça pourrait être un beau lancer de grenade, ça. Oh, le talent, magnifique. J'ai super bien visé, là. Un tir à la Michael Jordan. What the fuck. Magnifique. Alors, attention, il y a peut-être du petit campeur là-bas. Ah, là. Non, c'est un arbre. ridicule. Alors, j'ai vu un écho tactique, donc ça veut dire qu'il y a une capacité éclaireur qui est tout près. Bah tiens, on va détruire cette merde de bouclier, tant qu'on y est. Oh non, encore le camouflage. Ah bah c'est le même que la partie d'avant. Non, c'est pas le même que la partie d'avant. La partie que j'ai fait juste avant, il y en a un qui m'a eu deux fois alors que je pouvais faire des triples et tout. Enfin, c'est vraiment dommage. Alors, je vais détruire quand même ce bouclier parce qu'il risque de faire chier. Voilà, il suffisait de mettre une balle encore. Alors attention, ils sont où? Ah, c'est pas à nous ça, le drone de soutien là. On va essayer de le descendre. Alors c'est très facile à descendre, hein, regardez. Voilà, c'est déjà fait, c'est vraiment rapide, donc c'est vraiment pas du tout cheaté hein, comme capacité ça. Ça se détruira. Bah d'ailleurs la mienne a été détruite, donc voilà, c'est. Il faut quand même pas mal de balles pour tuer quelqu'un, mais oh merde. Oh, je peux rien faire. Oh, il est mauvais. Oh là, il était mauvais, mais alors, mais d'une puanteur absolument incroyable. Allez, je recharge. Alors c'est une mauvaise idée de recharger dans un espace aussi ouvert, voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est assez stupide. Alors, bon début de partie, je pense, je vais regarder, mais bon, voilà, je suis encore deuxième dans mon équipe, écoutez. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, c'était le cas dans la partie d'avant. Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai spoilé la partie d'avant pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est absolument maladroit, mais je m'en fous. De toute façon, logiquement, je devrais poster cette vidéo facilement une semaine après, donc il n'y aura pas de risque de spoil. Alors, il y a des tirs, donc il y a des adversaires, et toi, prends tes balles. Voilà, merci bien. Et est-ce qu'il y en a un ici? Non. Allez, on recharge. Elle est vraiment bien cette arme. Vraiment une bonne arme de bourrin. Bah, exactement comme le BC-39 dans Mercenary. C'est exactement le même type d'arme. Beaucoup moins cheaté quand même. Là, il y en a un. Voilà. Oh oui, la double avec le drone de soutien. J'en ai buté un. Allez, on va buter ce bouclier. Alors, je crois qu'il y a un adversaire qui est passé juste ici. Non, il me faut. Oui. Ah non, d'accord, c'est un coéquipier. Excuse-moi, mon gars. Bah écoutez, superbe partie. Alors, on est sur un préféré, en fait. On est sur la forêt, je vous l'ai pas dit. Ma vraiment préféré. D'ailleurs, mon image de profil, c'est cette tour là-bas. Regardez, est-ce qu'on peut voir? Regardez, on va voir, je pense. Voilà, c'est exactement la même photo. Regardez, c'est certainement la plus belle zone du jeu. Allez, j'ai posé mon drone ici. Oh putain! Tu tires ou tu pointes? Ah, eh merde. D'accord, comment est-ce qu'il... Je vois exactement où il est. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'il a pu m'avoir, parce que j'étais parfaitement caché. En fait, il campe au QG de son équipe, il a pas bougé. Donc je vais essayer d'aller le déloger. En plus, avec cette arme, ça doit être plutôt simple, je pense. Ah, écoutez, on se dirige tout doucement vers une deuxième victoire. Oh là, regardez-moi cette taux. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, on se dirige vers une deuxième victoire, je pense, parce que là, on est vraiment super bien parti. On a une bonne équipe. C'est juste dommage que mon chef de clan ne soit pas avec moi. On aurait pu gérer à mort. Allez, vas-y mon petit drone. Prends ton envol. Toi par contre tu fais chier, mais alors d'une force, putain tu me gênes, merci.
Là-bas, mon drone de soutien il tire dans cette direction, donc ça veut dire qu'il y a un méchant. Regardez, on va essayer de sauter. Oula, mauvaise idée. Allez, allez, fume-le. Ah bah il est mort. Ah bah il est mort. D'accord, je tue des morts moi, au cas où hein. On sait jamais, des fois que c'est Jésus qui ressuscite le gars. Ah oui, la double. Allez, avec la grenade. Ah merde. Elle a pas touché. Oh, puis-je faire un mort? Voilà, enfin, putain. Alors je vais essayer de te réanimer toi. Vas-y. Et je te réanime, et normalement il y en a un autre qui est ici. Regardez, oh putain, il y en a deux, trois, oh là, c'est Noël. Oui. Oui, vous voyez qu'elle est quand même pas cheatée cette arme, hein. Il faut quand même beaucoup de balles, hein. Oh putain, j'en ai même pas eu un des deux là. Ridicule, ah bah tiens, et donc encore XTM. XTM est dans la place. Alors, bah écoutez, ils sont tous les deux en face, tous les deux deuxième et troisième, et moi je suis ici. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, bah écoutez, c'est bien. C'est bien, trois membres du clan là qui nous rejoignent. Donc c'est pratique dans le jeu quand on a un joueur du clan qui est connecté, on a... Merde, on peut le rejoindre instantanément, sans forcément être ami je crois. Oh putain, oh c'est Noël, ils sont tous là. Allez, le drone de soutien et moi je me barre comme une tepue. Voilà, je vais laisser mon drone de soutien faire les kills. C'est probablement impossible de m'être pris une balle dans la position où j'étais. Alors mon drone de soutien, on sait jamais, des fois qu'il fasse un kill. Non, je préfère toujours attendre. Alors là du coup comme ils sont devant notre QG, je vais pas aller par là. Regardez, je vais faire ça. Et j'ai posé mon drone juste devant, parce que là ils étaient 3 ou 4 je crois devant notre QG, donc c'est plutôt mauvais. Et une petite grenade. Hop là, et voilà. Voilà, j'en ai eu un. Merde. Oh, victime d'appui aérien, et lui il m'a eu avec sa grenade, bien joué. Bien, enfin bien joué, c'est pas très compliqué, vu que j'étais au spawn, je pouvais difficilement bouger. Ah, écoutez, ben encore un kill quand même au drone de soutien, donc ça c'est... Oh putain. Alors attention, tiens, et bon voilà c'est la technique, voilà regardez c'est la technique, utiliser la protection du QG pour tirer. Oh bah d'accord, je suis mort dans le QG, c'est assez rare pour être signalé, what the fuck, d'habitude on peut pas mourir en fait, ces barrières sont censées protéger les tirs, on peut pas mourir, et là bizarrement je suis mort, d'accord, je te réanime mon ami. La tourelle, on va la mettre là, et toi je vais te fumer. Alors laisse-en moins un mon ami, s'il te plaît. Et putain, dommage, double assistance. Ah même pas, d'assistance. Bon du coup les petits campus de la merde qui étaient là-bas, on va essayer quand même de les déloger. Parce que là ils sont juste à la sortie du QG. Donc ils peuvent nous faire très très mal hein. Allez toi meurs. Allez meurs dans les plus brefs délais. Allez. Alors ton pote il est mort directement. Alors toi putain, t'as bugué mais alors d'une force. D'accord, si vous voulez prendre vos balles à un moment, vous ferez signe, hein. Ça pourrait être assez intéressant parce que là j'en ai un petit peu marre de vous mettre des trucs explosifs dans la gueule sans que ça vous fasse beaucoup de dégâts, limite ça vous fait du bien les gars, et ça j'aime pas. Bon, de toute façon on est simple, on est tranquille je veux dire, regardez au niveau des kills, au niveau de la barre bleue, et, enfin verte et rouge, là on est vraiment tranquille. Allez, le petit drone de soutien, je regarde là s'il y a personne, ah bah ils sont tous morts maintenant. Ah ouais, ils sont tous morts. Bon, comment gaspiller un drone de soutien pour rien en une seule leçon par mois. Alors, oh là là, c'est sanglant ici. C'est très sanglant. On va regarder avec le zoom. Ah bah, il est déjà... Ok, il a déjà été descendu. Donc là, il y a des flammes. Ah, c'est bien foutu, les petites flammes, là, avec les petites étincelles. On va essayer d'aller déloger le campus de la merde que j'ai vu tout à l'heure. Alors, ça va être assez chaud. Il devrait être juste là. Ouais, regardez. Petit campus là-bas. Voilà, je t'ai eu, petit campus de la merde qui comme dans son QG. Alors du coup, il y en a un qui va certainement arriver d'ici. Voilà, et je vais mourir parce que il a une arme, la Stacat, qui est la Sta... Oula, je retiens jamais son nom. Alors, en gros, la Pulver, c'est vraiment une excellente arme, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais là, avec la classe, avec le... cette espèce de drone de soutien, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, d'avoir une bonne grosse arme bien bourrin. Oh oui, encore un kill. Alors, on va tenter un petit lancer de grenade heureux. Oh putain, c'est suicide. Ah, c'est suicide, putain, j'avais pas du tout pensé que ça allait rebondir aussi bizarrement que ça. C'est mal joué. Bah écoutez, j'ai reposé mon drone de soutien au même endroit que là. Hop, voilà, parfait. Du coup, est-ce qu'il est au-dessus? Je crois pas. Non, je crois pas. Pour être honnête, attends, mais on est où en fait? Je crois pas où on est. Non, sans déconner. Ah, on est ok, on est à la sortie de notre QG. Ok, ça va mieux. Je crois que c'est dans le QG adverse. Ah, tiens, il y en a un juste ici. Allez, oui. Le spawn kill dans le bon sens cette fois, ça change. Hop là. Allez, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir dans le jeu, il y a quasiment jamais de spawn kill. Vu qu'il y a un système. Et merde, de QG. Bon, voilà. Aucune chance. J'ai peut-être changé d'arme là pour la fin. Allez, et je vais revenir peut-être. Non, allez, je vais quand même. Je vais garder la capacité mais changer d'arme. Je vais prendre, voilà, je vais prendre ça. La grosse batteuse là. Oh merde, oh spawn kill.
Oh putain, c'est dégueulasse. Alors vas-y mon drone, si il peut faire un kill avant que je ressuscite, enfin avant que je respawn. Non, il a pas eu le temps. Dommage. Alors, assistance. Ouais, j'aurais peut-être dû le laisser un petit peu quelques secondes en plus, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, regardez, sur la bande, on n'avance pas beaucoup. Hein. J'ai dû faire une bonne dizaine de kills avec cette capacité là dans cette vidéo. Mais bon, sur la bande en haut à droite, on voit que ça progresse pas beaucoup. C'est vrai que, bah ouais, il m'en faut encore environ ouais, 60, je pense, pour avoir la capacité maximum. Parce que le dernier niveau, il m'en faut 50. Et là, je suis pas encore à l'avant-dernier niveau. Donc, ouais, il en manquait 10, je crois. C'est ça. Alors, il devrait être juste dans la zone. Donc, je vais utiliser un mine araignée si j'en vois un. Et essayer de lui faire péter à la gueule. Non, il y a personne. Alors j'ai plein d'éliminations en équipe, donc ça c'est assez frustrant. C'est pas compté comme un kill. Ah. Ah. Ok, il y en a un juste au-dessus là-bas. Allez, vas-y. La petite mine araignée. Ah, elle a explosé mais elle a pas tué. Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être une assistance avec un petit peu de chance. Allez, on compte. Ah, tiens, là. Oui, sauveur. Oh, bien joué. Bon, c'est surtout moi qu'il faut que je sauve. Voilà, j'ai foiré. On m'a buté à quoi bizarre, il me semblait pas avoir pris de balle. Allez, balise au déploiement. Hop, tiens, réanime. Ah, dommage, j'ai voulu qu'on me réanime. Malheureusement, j'ai été bien trop rapide. Oh, attention. Allez, on va camper là-dedans. Une fois n'est pas coutume. Il est où? Je vois pas, alors toi je te réanime mon ami. Oh putain. Oh non. Oh, ça vient d'où? Là. Allez, je pense que ça touche. Oui. Putain, prends tes grenades ou je sais pas quoi là. Ah bah voilà, je l'ai eu. Ah non, même pas, assistance. Génial, bah écoutez, fin de partie sous le signe des assistances, hein, tout simplement. Allez, on rush. Allez, je vais détruire cette merde. Ah bah merde, on va me buter avant. Il était où? Bah écoute, je l'ai absolument pas vu. Ah tiens, un joueur indien, c'est assez rare pour être signalé ma foi. Eh ben écoutez, une partie pas franchement dégueulasse. Alors j'étais deuxième, mais je crois qu'à l'image de la partie d'avant, je pense que j'ai un petit peu chuté sur la fin de partie. Mais ça reste une victoire, et ça reste une bonne partie avec surtout beaucoup de kills pour la capacité, donc ça c'est plutôt cool. On va regarder, alors ok, je ne suis ni premier ni deuxième. Peut-être que c'est moi le troisième. Ouais je pense, vu que c'est une classe soutien, il y a des fortes chances que ce soit moi. J'ai pas vu, on va regarder, j'espère quand même être dans le trio de tête. Ce serait plutôt sympathique. Allez, on croise des doigts. En tout cas j'ai fait une bonne partie, donc peu importe la place. 18 à 16, est-ce que j'étais 3ème de mon équipe? Oula non, j'étais 5ème. Ouais écoutez, une partie quand même plutôt potable, hein, plutôt pas mal. Voilà, bah, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à la prochaine, ciao.